regardes à ta droite, tu es là, tu dis rien. Mais si c'est chargé là, tu es fort. Oh, oh, yeah. Aujourd'hui tu as rencontré garçon, mais là tu as peur. Aujourd'hui tu as rencontré garçon, mais là tu as peur. Mais si c'est toi qui es là, tu es fort. Oh, oh, yeah. Le gata s'agba au truc de la pierre. Mais si c'est au bas, tu es fort. Tu es dans le quartier, et tu es là, la panique, oh, et tu es là dans le quartier, et tu es là, la panique, à cause de toi, on peut même plus sortir, à cause de rencontrer ton big bar, à cause de toi, on peut même plus sortir, à cause de rencontrer ton gourou. Tu as rencontré garçon, tu es là, tu as peur. Aujourd'hui tu as rencontré garçon, il t'a attrapé, tu es là, tu te marres pas. John Brie, bonsoir. Bon, tous ceux qui sont de mauvaise humeur, vous pouvez quitter mon direct. Tous ceux qui sont de mauvaise humeur, vous pouvez quitter mon direct. Je suis trop de bonne humeur. Aïe, je ne sais même pas ce qui m'arrive. Je ne sais pas. Moi-même, je cherche, je ne trouve pas. Je suis de bonne humeur. Je ne sais pas, hein. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Je vais juste chercher quelques photos et des vidéos et commencer à dire quelque chose. Bon. Je vais expliquer quelque chose à certaines personnes. Je veux qu'on comprenne. Je veux que les gens comprennent. Je vais expliquer les choses. Bon. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous nous sommes réveillés. Bon, chez certains, il y avait la tempête, chez d'autres, il y avait le vent, chez d'autres, il y avait le soleil, la pluie. Bon, tout ce que nous avons en commun, c'est Facebook, YouTube, tous ces trucs-là. Mais nous avons tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Des loups-bas, des microbes, des gens qui vont se mettre dans des endroits pour frapper, tuer et blesser des Ivoiriens. Apparemment, Chris Yapi,
je ne sais même pas c'est qui, avait fait une publication, il avait montré des photos de certaines personnes. Aujourd'hui, ils ont tabassé des gens, qui sont allés au campus pour attaquer les étudiants. Il y a un qui est parti dans Brouette. Mais, il y a une autre vidéo qui est sortie après, où la personne qui est dans la photo a dit que c'était pas lui, que c'est une autre personne. Il dit que c'était pas lui et que c'était pas lui. Ok, c'est pas grave. C'était pas lui. Mais, je vais parler. C'était pas lui. On est d'accord. Les gens ont vu qu'il se ressemblait. Mais je vais parler quand même. Oh. Je vais parler. Oh. Donc, voici le problème. Voici, regardez bien. Vous voyez la photo? La photo et la personne qui est là, ce ne sont pas, d'après la vidéo qui est sortie, ce ne sont pas les mêmes personnes. On ne va pas discuter. Les gens se ressemblent souvent. Les gens se ressemblent. L'erreur est humaine. Mais il y a quelqu'un qui est couché. Bon, ça, c'est ça qui m'intéresse. La personne qui est couchée là, c'est ça qui m'intéresse. Voilà une autre personne. Un gros bras. Il est costaud, hein? Il a ses pectoraux, on dirait saint d'éléphant. Vous avez vu, non? Ses pectoraux, on dirait saint d'éléphant. Il est couché, il est en train de faire dodo. Bon. Maintenant, regardez ici. Fini vite. Ils sont en train de mettre un gros monsieur dans une poubelle. Aïe. Le voilà ici, en train de faire dodo. Il est en train de faire dodo, mais c'est un loupard. Hein. Un loupard, un gros bras. Un loupard. Ça, c'est tous ceux qui font des commentaires de Babier qui sait sur Facebook là. Ils ont bouche. Ceux qui font les commentaires, Babier qui sait que si on t'attrape, on va te tuer. Toi, tu vas voir. Toi, tu es qui? Toi, tu es comme ça. Toi, tu es comme ça. Le jour, je t'attrape. Je vais te faire ça. Je vais te faire ceci. Quand ils sont en face des réalités, c'est comme ça qu'on les retrouve. Voilà, le voilà. Un gros gaillard en poubelle. Attends, il a allumé une de mes lumières. André, on ne me voit pas bien. Un gros gaillard dans Brouette. Lui là, tu vas fouiller. De toute façon, il avait bouche sur Facebook. Ouais, on va vous tuer. On va laver vos parents. Vous là, on va vous exterminer. Ouais, je suis en train de chercher encore. Je cherche. Je cherche là où il était à la boîte. Hein. Voilà. Celui qui a poussé Brouette là, il a la force. Hein. Yeah! On dirait éléphant dans Brouette. Machakaba. Moi, je suis en train de tout faire pour maigrir un peu. Il y a déjà une grossie seulement. On dirait éléphant dans Brouette. Pectoraux, on dirait sein d'éléphant. Ou bien fesse d'hippopotame. Yeah! Non, tu es un mogo sûr, mon gars. Donc, tu t'es levé matin et puis tu es parti au campus.
C'est-à-dire, moi, je vais aller tabasser les étudiants et les tuer, et les montrer. Mettez-moi mes cœurs, on va quitter ici, là. C'est un petit diesel. J'arrive, je suis comme un diesel, je viens doucement. Et tu es parti tranquillement. Tranquillement. Tu es parti en 4x4 ou en Baka ou en Mercedes. Tu t'es retrouvé dans Brouette. Ça, là, si ce n'est pas une leçon pour tous ceux qui attaquent nos frères et sœurs, je ne sais pas quelle leçon vous allez recevoir encore. Franchement. Yeah! Toi, Gaïa, comme ça. Attends, je vous montre ça encore avant de vous montrer autre chose. Soit là, attaquer le campus. Ils se sont levés matin. Ils se sont levés matin. C'est le campus ils ont vu pour aller attaquer. Bon. Voilà un autre. Lui, il est en train de se confesser. Moi, je ne sais pas si ce qu'il dit là, c'est vrai ou c'est faux. On ne sait jamais. Donc, on va l'écouter quand même. Il dit que lui n'est pas au courant. Il s'en va comment? Oh my God. Qu'est-ce que je fais? Je retourne en arrière. Voilà. Il s'en va comment? Coucan, il est où? C'est mais. Oui. Voilà, c'est le mot qui est utilisé. J'étais assis même. Puis ils m'ont dit, on doit aller au campus. D'accord. On va aller au campus. Oui. Moi, si c'est les trucs politiques, tout ça, là, moi, je ne fais pas la politique. C'est ce qu'ils prêchent sur Facebook. Voilà. Et non, c'est pareil, ils remettent les ordinateurs aux étudiants. On va les remettre. C'est bon. C'est trop bon, c'est sucré. Il dit, on l'a appelé le matin. On appelle le matin. Lui, il est livreur. Il est livreur. Livreur d'ordinateur. On appelle le matin. On lui a dit d'aller au campus. Maman. Oh my God, I'm over. Oh.
mal au ventre. Nkunu baba yaki. On lui a dit, il a envoyé en mission d'aller livrer ordinateur. Les étudiants ont fait commande d'ordinateur. Et lui, on l'a appelé matin. On lui a dit de venir. On lui a dit de venir livrer l'ordinateur. Attends, on va l'écouter un peu encore. On va continuer. Non, je l'aime trop. Je suis trop fan de lui, là. Il m'aime trop. Ouh. Attends. Ah. Tiens, il m'a fait pleurer celui-là. Bon. Mmh. Il s'en va comment? Coca, il y a où? Coca. Sembe. Oui. Voilà, c'est le mot qui est utilisé. Il était assis même. Mmh. Puis ils m'ont dit, on doit aller au campus. D'accord? Et moi, on va aller au campus. Moi, si c'est les trucs politiques, tout ça là, moi, je ne fais pas la politique. Mmh, mmh. C'est ce qu'il plaît sur mon Facebook. Voilà. Il dit non, c'est pareil, remettre les ordinateurs aux étudiants. Mmh. Hein? On va les remettre. Il s'appelle Kokan. Il dit, on va envoyer l'ordinateur aux étudiants. Parce que moi, si c'est politique, tout ça là, moi, je ne suis pas dedans. C'est ce que je mets sur mon Facebook. Il s'appelle Kokan. Il dit, on va aller livrer l'ordinateur aux étudiants. Mais mon cher, tu travailles dans quelle société? Qui t'a embauché au fait? Donc, ordinateur, on ramasse dans la rue comme ça et puis on va donner aux étudiants quoi. Yeah. Tu sais mentir, hein? Oh. Ordinateur, on ramasse ça dans la rue ou bien je sais pas, un matin qu'on se lève, on dit oh, Dieu, on va donner l'ordinateur aux étudiants. Ah, les étudiants là. Donc, les étudiants là, c'est quoi? C'est un orphelinat? C'est un foyer de SDF? C'est quoi? Je ne comprends pas. Les étudiants, ils sont dans une université. Et puis, ils étaient levés matin. On est venu frapper chez toi. On dit, go, ça va? Ouais, ça va. Tu fais quoi aujourd'hui? Non, j'étais en train de dormir. Bon, viens, on va aller donner des ordinateurs aux étudiants. On a plein d'ordinateurs, on va aller donner des ordinateurs. Yeah! Et ils ont dit, ils te payent combien? Puisqu'on t'a envoyé en mission, ils t'ont dit, ils te payent combien? Il faut nous dire, ils te payent combien? Ok. Bon. Après avoir rigolé, je suis en jaillet ce soir. Après avoir rigolé, je vais vous montrer une petite vidéo et puis on va continuer. Yeah. Les étudiants. On dit d'avoir ordinateur chez étudiants. Bravo, mon ami. Alors, étudiants. Oh, 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 on m'a envoyé une vidéo. Je ne la vois pas ici. Je voulais vous montrer une vidéo là, mais on dirait que je me suis trompé de téléphone. Est-ce que ma secrétaire peut me ramener cette vidéo-là sur ce téléphone, si elle est sur le direct? Elle n'a qu'à me ramener la vidéo sur ce direct parce que je ne le vois pas. Oh, c'était intéressant. J'allais vous montrer quelque chose. Bon, avant que la vidéo n'arrive,
Je voulais dire certaines choses à certaines personnes. Il y a une vidéo qui est sortie qui dit que c'est pas celui qui était dans la photo qui a été attrapé ce matin. Ok. Ça, c'est pas un problème. On est d'accord. Mais ce que les deux personnes qui sont dans la photo doivent savoir, c'est que les Ivoiriens les reconnaissent à travers cette photo en tant que des loubas d'Ahmed Bakayoko du gouvernement qui sont au service de ces personnes et qui gouvernent et envoient des microbes tuer les gens. Cette photo, si c'est même pas toi qui es dans la brouette, c'est pas un problème. Mais ce qu'on sait, ta photo est présentée au monde entier. Ça, c'est grave pour toi, mon frère. C'est grave. Tu as vu aujourd'hui, là, ils ont attrapé quelqu'un qui te ressemblait un peu seulement. Ils ont mis dans brouette. Ils ont mis ta photo à côté. On dit c'est toi. Ça veut dire qu'il y a des gens qui t'en veulent à mort. Il y a des gens qui t'en veulent à mort. Donc, toi-même, même si ce n'était pas toi qui étais dans la brouette, là, si ce n'est pas toi qu'on a attrapé aujourd'hui, qu'on a mis dans la brouette, ça c'est comme si c'est un message que le ciel est en train de te donner. C'est un message que le ciel est en train de te donner pour te dire go, tu te crois fort, tu te crois puissant. Dieu peut te mélanger mal même. Aujourd'hui, là, ils ont attrapé quelqu'un qui te ressemble, ils ont pris ta photo, ils ont collé ta photo à côté de la personne qui est dans la brouette, alors que ce n'est pas toi. Si c'est moi, je vais commencer à réfléchir sur ma vie, à me poser des questions pour me dire, c'est parce que ça, c'est un gros signe. J'espère que tu vas voir cette vidéo. Je ne parle pas passer ici contre toi. Hein. Mais je suis quelqu'un, je sens, je vois, j'écoute et je discerne. C'est un signe que Dieu t'a donné pour te dire, Fais attention. Il y a des choses qui risquent de t'arriver. Je me lève matin. Ils ont attrapé quelqu'un. Il me ressemble. Ils ont frappé la personne. Ils ont mis la personne dans brouette. Et puis on prend ma photo. On colle à côté de la personne. On dit c'est moi, on a frappé. Faut t'examiner. Qu'est-ce que tu fais actuellement? Quel est ton travail? Quelles sont tes activités? Est-ce qu'il y a des morts à cause de toi? Est-ce qu'il y a des innocents qui sont morts? Est-ce qu'il y a des enfants qui sont morts? Est-ce qu'il y a des gens qui ont perdu la vie à cause de toi? Parce que tu as eu un salaire. Pose-toi la question, s'il n'y a pas du sang qui est en train de crier contre toi. On a vu John Pololo. Hein? Il n'y a pas eu plus grand loubat puisque John Pololo en Côte d'Ivoire. On a vu vieux père John Pololo. Après Pololo, il y avait d'autres. J'ai traîné beaucoup avec Charlie Ouattara. On a vu les Charlie, on a vu les Samson. On a vu plein de loubas. Mais en général, la plupart ont mal fini. D'autres sont des gros bras, aujourd'hui ils font des petits boulots ou agents de sécurité. D'autres ont eu la chance, sont rentrés peut-être dans l'armée ou dans d'autres choses. D'autres ont quitté le pays, sont en Europe. D'autres font autre chose. Mais le chemin que tu prends, il y a toujours une fin, une terminaison. Et tout dépend de ce que tu sèmes. Tout dépend de ce que tu sèmes sur ton chemin. Tu as sémé quoi? Le bonheur, la joie, la paix, où tu as passé ton temps à être en mission pour frapper des vieilles, être un maudit, pour tuer des enfants, pour séquestrer, pour effrayer. Toutes les personnes qui pleurent, toutes les personnes qui pleurent, ça monte à Dieu. Tu sais,
Monsieur le gros bras, je vais t'expliquer une chose. Quand je me suis converti en Jésus-Christ, j'ai demandé pardon à Dieu pour mes péchés. Parce que j'ai fait beaucoup de mal. J'ai agressé. Je pouvais briser quelqu'un en pleine journée. J'aime tes baskets. J'aime ton pantalon. J'aime ta chemise, ta casquette. En pleine journée, je t'appelle. Et viens ici. Donne-moi ça. Dis non, je ne donne pas. Et donne-moi ça. Sinon, il te mougou tout de suite. Il te mounou, il a fouille. Je te dis, je ne donne pas. J'étais comme un fou. Je tape, j'ai des jambes. Je tourne sur moi, mais je reviens. Mes deux civités sont dégravatées dans ma main. Je te présente d'abord. Et donne-moi basket là. Tu dis non. Au moment où tu vas te rendre compte. Je ne te mourrai pas pour te tuer. Je te dis à mounou quelque part. Dès que tu as senti la douleur, tu vas enlever chaussures là. Tu vas enlever. En pleine journée, en pleine rue, c'est pas la nuit. Je te déshabille en public. Les gens vont venir, vont dire, ouais, qu'est-ce que tu fais? Quand ils commencent à parler, tous ceux qui sont là, je ne sais pas qu'est-ce qui me suivait. Les gens me regardaient, personne ne pouvait agir. Je prends mes affaires et puis je m'en vais. Il y a un bazar où c'est V-Bot. J'ai été chat noir. J'ai dégravaté les namas. J'ai fait Bokloli. J'ai fait Brie. C'est-à-dire, comment on appelle ça même? On avait un autre nom. Tu quittes au travail, tu viens la nuit, tu es dans un coin noir, tu vois des gens qui t'entourent. J'ai fait ça. Les pauvres mamans qui quittaient à l'intérieur pour venir vendre leurs marchandises à Yopougon. Quand le cas s'arrête, leurs sacs, leurs trucs, tout ça, j'ai traîné avec des gens comme ça. Je ne savais pas que j'allais servir Dieu. C'était ma vie. Je vivais dans le monde. J'ai traîné à Gamé, j'ai traîné à Trècheville, j'ai traîné à Bobo, à Yamsoukro. Je suis même allé à Daloa, à Gagnoua, j'ai fait prison de Daloa. Boaké. Celui qui m'a inspiré s'appelait Vieux Pata Pata. Ceux qui connaissent Boaké depuis longtemps ont entendu parler de Vieux Pata Pata. C'était Vieux Pata Pata qui m'a inspiré. Un Burkinabé, ivoirien, entraîneur taekwondo et luba. Mais le jour que Dieu m'a appelé, ma conversion a été spectaculaire. Tout le monde était étonné. À un mois de ma conversion, ça disait partout, le brigand là, il est devenu pasteur. Je rentre dans un bar, je consomme des casiers, j'invite les gens. Quand je suis bien d'aille, je mets toutes les bouteilles sur la table, les bouteilles vides. Et puis il dit aux gens, allez-y, rentrez chez vous, je vais payer. Je suis là jusqu'à, je crie, Eja, ma vieille, je prends bouteille. Bah, 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 bah. Tout le monde s'enfuit du bar. Je sors tranquillement et rentre chez moi. La seule chose qu'il n'aimait pas faire, c'était, on va dire, brimougou, c'est-à-dire violer femme. C'est un truc que je n'aimais pas. Quand mes amis arrêtent une fille, ils font ça. Je viens, je la défends, je me bats avec eux. Je préfère avoir une copine que d'avoir une fille, tout le monde passe. Ça, j'ai jamais aimé. Mais le reste, là, j'ai tout fait. J'ai dormi sur bas à Gamé. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Mais quand Dieu m'a appelé, pendant des années, je demandais pardon à Dieu. Je me dis, mais comment on peut pardonner quelqu'un qui a fait ce que moi j'ai fait.
Je m'en voulais. Je dis, mais comment on peut pardonner quelqu'un qui a fait souffrir des gens, qui a fait pleurer des mamans, des femmes, des gens? Je m'en voulais. À Boaké, je ne sais pas si c'était pour 1500 ou 500 francs, j'étais dans la galère. Je voulais jeton. J'ai arrêté un gars. Le gars n'avait rien. Je l'ai fouillé en haut, en bas, il n'avait rien. Il avait seulement, je crois, 1500 ou 2000 francs. Mais parce que le gars n'avait pas l'argent, je m'étais énervé. Le gars aussi m'a attrapé. Il dit, mais laisse pas. Pour m'échapper, pour aller, j'étais obligé de mounou, le gars. J'ai jamais oublié ça. Si Jésus m'avait pas pris, j'ai trop de comptes à rendre à Dieu. Heureusement, le sang de Jésus me purifie. J'ai eu du mal à me pardonner moi-même. J'ai eu du mal à me pardonner. C'est pourquoi j'aime l'homme. C'est pourquoi je me sacrifie pour les autres. C'est pourquoi même quand on ne me paye pas, on ne me donne rien, quand on ne me soutient pas, je suis toujours là pour les gens. Je me dis toute ma vie, je dois me rattraper. J'ai fait du mal à mon prochain. C'est pourquoi l'amour, je fais tout pour que ça reste dans mon cœur. J'ai des défauts, mais je fais ça. Alors mon cher, vous êtes habillant. Vous vous prenez pour des loups-bas. Vous savez que la roue tourne. Il y a des saisons. Et il y a un temps pour tout. Aujourd'hui, vous êtes confortable. Vous êtes les loups-bas. Nous étions les loups-bas du temps. Quand on marche comme ça. Je marchais comme ça. Quand je marche à gauche, à droite, rasé ici, boule d'oreille, bad boy, mes yeux rouges, mes demi-baissés. Quand je marche, je suis comme ça. Je marche comme ça. Si tu m'as regardé et que ton regard ne me plaît pas, je m'approche, je te tape avant de continuer. J'ai vécu comme un malade. Possédé. J'ai des amis qui sont morts. American Boy, il est mort dans un accident de voiture avec Bolo, entre Boaké et Amsoukro. Corbeau est mort. Vieux Patapata. La PJ recherchait Vieux Patapata. Mais il ne savait pas c'était qui. La copine de Vieux Patapata était fâchée. Elle a pris la carte dentée de Vieux Patapata. Elle a envoyé à la police. Quand Vieux Patapata a pris ça, à Boaké, il est allé acheter les femmes qui vendent des médicaments sur la route. Il est allé acheter plein de cachets de médicaments. Il s'est rendu au cimetière. Et puis il a bu tous les médicaments pour se suicider. Et Vieux Patapata, en mourant, tellement il souffrait, il a déraciné des herbes. Dans le cimetière, dans le coin où il est mort, là, il a lutté, il a déraciné des herbes avec sa main jusqu'à ce qu'il est mort. Toi, Abidjan, sais que John Pololo est parti. Nous autres, nous avons eu la grâce. La grâce, nous ne l'avons pas méritée. Nous l'avons pas mérité. Les gens comme moi, je ne sais pas pourquoi Dieu peut les appeler. J'ai vu des grands loups-bas. J'ai vu des gens qui n'ont pas peur. J'ai vu des gens qui se battent. L'autre a baissé, l'autre aussi a baissé. J'ai vu des gens, l'autre mounoumou, l'autre mounoumou. J'ai vu des gens. J'ai vécu ça jusqu'à ce que Dieu m'appelle. Moi, le Seigneur m'a formé dans la rue. Mon père vivait, ma mère vivait, ma famille avait ce qu'il fallait pour que je mange.
Mais le diable m'a envoyé dans la rue. Le diable m'a envoyé dans la rue. Au lieu de dormir dans un lit, je dormais sur des bancs à Djamé, sous des ponts, dans des ghettos. J'étais perdu, je crois que c'était la vie. Parce que les gens avaient peur de moi. Je croyais que j'étais heureux. Heureusement, Jésus m'a pris. Deux fois, je m'amuse, je danse un peu. Je danse les danses d'avant, je fais trop. C'est pas pour me glorifier, en fait. Je sais que je viens de loin. Et mon passé me donne la force pour avancer. Mais je voulais vous parler. Si aujourd'hui, toi, c'est pas toi qui étais à l'université. Et puis, tu n'étais pas à l'université. Mais malheureusement, ils ont attrapé quelqu'un. Ils ont attrapé la personne. Ils ont attrapé la personne. Et puis toi, c'est ta photo. On prend ta photo. Et puis on met à côté d'une personne qu'on a attrapée, qu'on a mis dans brouette. Une personne qu'ils ont frappée ce matin. Ce n'est pas toi. Voilà la photo. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Mais les gens ont mis ta photo à côté de la personne qu'ils ont frappée, qu'ils ont mis dans brouette. Tu as fait une photo, vous avez fait une vidéo sur, vous avez fait une vidéo sur, comment on appelle, Facebook, YouTube, où vous avez dit que ce n'était pas vous. Mais nous, on croit, parce que si c'est vous, vous n'allez pas être dans l'état où vous êtes actuellement, que ce n'était pas vous. Moi, j'ai vu la vidéo, je ne la retrouve pas pour montrer que ce n'était pas vous. Il y a deux choses que je vais vous dire. Même si ce n'était pas vous, beaucoup de personnes, pour beaucoup de personnes, vous êtes dans leur tête. Regardez quelque chose. Ce n'était pas vous, mais c'est votre photo qui est là, à côté de ce monsieur. Et votre vidéo que vous avez faite, sur Facebook ou sur YouTube, ça dépend des vues de vos amis. Ça dépend aussi des gens qui partagent. Il y a des gens qui n'ont rien à foutre, en fait, que ce soit vous ou que ce ne soit pas vous. Donc, ils ne vont pas partager. Ça veut dire que le nombre de personnes qui ont vu votre photo à côté de cette brouette, dans leur tête, ça restera toujours que c'est vous. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est un signe pour vous, pour que vous sachiez que, en fait, dans l'esprit des gens, dans les pensées des gens, vous n'êtes pas des bonnes personnes. Ça veut dire quoi spirituellement? Ça veut dire qu'il y a un danger derrière vous. C'est le signe qui est là. Il y a un danger très grave derrière vous. Il y a des signes qui ne trompent pas. Donc, c'est le moment de vous ressaisir, de penser à si vous changez de comportement, d'attitude. Parce que ce signe-là, c'est Dieu qui l'a donné. C'est pas un homme. C'est comme si Dieu vous a prévenu pour vous dire, faites attention. C'est un peu ce qui vous arrive actuellement. Faites attention. Sinon, la honte que vous allez avoir, ça ne sera même pas fait de brouette là. Peut-être que vous ne serez plus là pour contempler. Dieu, là, il a plusieurs manières de parler. Il a plusieurs manières de parler. Je cherche ma vidéo là pour montrer, je ne la trouve pas. Bon. Qui m'avait envoyé ça? Si la personne peut me renvoyer.
attendez. Excusez-moi, j'ai trop de téléphones, je ne sais plus sur lequel ils vont. Est-ce que c'est sur celui-là? Excusez-moi. Excusez-moi, excusez-moi. Est-ce que c'est ici? Voilà. Non, c'est pas là. Ok. Tout ce que Dieu fait est bon. Je ne vais pas du tout batailler. Tout ce que Dieu fait est bon. C'est le Seigneur qui sait pourquoi il ne veut pas que je monte cette vidéo. Si je la trouve, je la monte. Si je ne la trouve pas, ce n'est pas grave. J'ai rigolé au début du direct parce qu'il y avait une personne aussi qui s'est fait attraper. Il dit que lui, on l'a réveillé ce matin. Et puis, on lui a dit d'aller donner des ordinateurs aux étudiants. Bon, ça m'a beaucoup fait rigoler parce que on sait tous que c'est du mensonge. Hein? On sait tous que c'est du mensonge. On sait tous que c'est du mensonge. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un marabout sur mon direct. Je vois des commentaires bizarres là. Attendez. Il y a un marabout sur le direct, pas rien qui font publicité de marabout. Marabout qui fait publicité, c'est que c'est un voleur. Voilà. Il est où? Je ne le vois pas. Vous l'avez bloqué déjà ou bien? Ok. Marabout qui fait publicité, c'est que c'est un voleur. Marabout, je cherche marabout là. Les marabouts qui font publicité, c'est des voleurs, c'est des escrocs, c'est des brouteurs spirituels. Voilà. Donc, en fait, nous, on s'en fout. Si c'est vous, si c'est pas vous. Voilà, je vais parler d'une manière un peu terre à terre pour que vous puissiez comprendre ce que je voulais dire. On s'en fout. En fait, on s'en fout. C'était vous, c'était pas vous. Ce que les Ivoiriens savent, c'est qu'aujourd'hui, là, les étudiants ne se sont pas laissés faire. Ils se sont défendus. Jusqu'à attraper un gros éléphant, ils ont déposé dans brouette. Ils ont attrapé d'autres personnes. Ça, c'est ce qui reste dans notre tête. Voilà. C'est dommage que je ne retrouve pas la vidéo. Excusez-moi, parce que j'ai envie vraiment de monter la vidéo, parce qu'il y a quelque chose dedans que je veux toucher. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui a parlé dans cette vidéo, j'ai envie de le répondre. Voilà, j'ai envie de le répondre. Je voulais dire quelque chose, c'est ça. Donc, on s'en fout. Il y a un gros éléphant qui était dans la brouette et ta photo était à côté. C'est ça qui reste dans la tête des Ivoiriens. C'est ça qui reste dans la tête des Ivoiriens. On s'en fout. C'est toi, oh. C'est pas toi, oh. C'est ton cousin, oh. C'est pas ton cousin, oh. C'est ton frère, oh. C'est pas ton frère, oh. Il y a des gens qui dorment vite d'air. Ils sont ronflés. Donc, c'est toi, oh. C'est pas toi, oh. Franchement, là, on s'en fout. Ce que nous, on sait, ce que nous, on sait, hein, ce que nous, on sait, je dis, on m'a envoyé une vidéo là sur quoi même? On m'envoie ça sur quoi? Sur WhatsApp, sur YouTube, sur quoi? Aïe, c'est grave ça. Vidéo, j'ai regardé tout à l'heure là, c'est passé où? Ça, c'est sorcellerie. Attendez, je cherche mon truc là. Si je ne trouve pas ce que vraiment là, c'est pas de ma faute. Donc, nous, on s'en tape. Vieux père, au cousin, au mort, franchement, on s'en fout. Les Ivoiriens t'ont repéré en tant qu'un louba qui travaille pour le gouvernement, qui tabasse les gens, qui frappe les gens, qui viole les gens, qui agresse les gens. C'est ça, que, c'est à ça que tu dois réfléchir. Tu étais dans Brouetto, tu n'étais pas dans Brouetto. Le signe que Dieu t'a donné là, c'est pour te dire, mon gars, il faut faire attention. Ton nom est partout. Oh. Ton nom est partout. T'as vu comment les gens ont partagé aujourd'hui et puis ils ont rigolé, non? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent à ce que tu tombes.
Tu as compris maintenant. Tu comprends, non? Faut réfléchir. Moi, je suis quelqu'un, c'est les gens qui n'aiment pas mon affaire. Sinon, moi, mais je suis bon. Je donne trop de conseils aux gens. Ça, les gens, ils ont du mal à écouter mes conseils. Mais je donne des conseils. Même quand j'attaque, je donne des conseils. Mon ami, ça là, c'est un signe. Pour toi, là, ça risque de ne pas être brouette. Ça risque d'être cercueil. Brouette, là, c'est un angoplan. Pour toi, là, peut-être c'est cercueil. Ou bien, ils vont trimballer ton corps dans tout Abidjan pour dire, voilà, le monsieur, on l'a eu. Faut faire attention d'elle. C'est que tu es dedans, là. Si tu aimes ton père, tu aimes ta mère, tu aimes ta famille, tu es né, que tu veux que tes parents soient fiers de toi. Hey. Oh, là, bilaï, il faut quitter dedans. Il faut te commencer à te chercher doucement. Parce que ce qui va arriver, là, brouette, là, c'est le signe. En fait, la brouette est venue t'annoncer une nouvelle. La brouette est venue pour t'annoncer. T'as Dieu, il a utilisé un âne dans la Bible pour parler. Donc là, Dieu, comme il est fort, il a utilisé une brouette pour te parler. Il a utilisé l'âne pour parler à Balaam. Donc pour toi là, il a pris brouette pour te parler, pour te dire go. Tu as vu comment brouette là roule. Tu as vu dans brouette là, il y a un gros éléphant qui est assis. Pour toi là, c'est pas brouette. C'est ton pied, on va tirer sur le goudron, dans tout Abidjan. Toi-même, ton corps là, ça va être comme, comment on appelle ce truc là? Sonnerie, tu sais, comme pour les griots là. Et tout le monde va regarder ton cadavre sur la route comme ça, frère. Si tu n'as pas compris ce message-là, je ne sais pas quel message, il n'y a aucun marabout qui va te parler comme je viens de te parler. Il n'y a pas un féticheur, il n'y a même pas quelqu'un qui va venir ouvrir tes yeux comme je suis en train de t'ouvrir la nuit. Là. Faut aller consulter, va où tu veux, va voir tes féticheurs et tout. Je suis en train de te dire, tes gris-gris que tu as au rein, c'est que tu as ici. Tout ce que tu prends pour te protéger, tes canaries, ce que tu prends pour te laver, ils ne pourront rien faire quand ce jour-là va arriver. Donc, il faut commencer à changer. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. C'est dommage que je n'ai pas trouvé ma vidéo là. Je ne sais vraiment pas sur quelle heure. Je ne sais pas sur quoi ils m'ont envoyé. Sauf si la personne a effacé après. Je sais pas, c'est bizarre. Je l'ai vu tout à l'heure, j'ai regardé, et ils étaient en train de se justifier, j'ai regardé. Bon, après je suis passé à autre chose, et comme par hasard, je ne vois pas. C'est pas grave, comme je l'ai dit, tout ce que Dieu fait est bon parce que j'avais voulu expliquer quelque chose par rapport à cette vidéo. Ouais, j'avais voulu expliquer quelque chose, peut-être que ça est là. Attends, je vois le WhatsApp d'ici. Tellement de WhatsApp. Non, c'est pas ici. Ah ben dis donc. Non, c'est pas ici. Ça, c'est un miracle. On ne peut pas faire autrement. Quand Dieu dit c'est non. On ne peut pas faire autrement. Tu vas fouiller. Vous allez voir, je vais finir le direct net, je vais voir la vidéo. Je vais finir le direct net, je vais voir la vidéo. Ça, c'est Dieu qui ne veut pas que je montre cette vidéo. Parce que vraiment, c'est bizarre. Je sais qui a envoyé la vidéo. Je tape le nom de la personne sur mes deux WhatsApp, je ne vois pas. Je tape le nom de la personne sur Messenger, je ne vois pas la vidéo. Pourtant, je l'ai regardé cette vidéo. Pourtant, je l'ai vu tout à l'heure. Pourtant, je l'ai vu tout à l'heure. Et c'est bizarre. Attends, est-ce que c'est ici? Non. Voilà. On fait comment? Quand Dieu dit c'est non, hein. Donc, je vais parler. En fait, dans cette vidéo,
Il y a un monsieur qui était là, qui disait, celui qui a le lien de la vidéo, s'il a trouvé, il le met ici. Qui disait que c'était pas eux, et puis eux aussi se sont présentés, ils étaient là. Et puis le monsieur disait qu'ils sont dans l'Union, ils travaillent pour Alassane, que Alassane est bien, que ceci, cela. Moi, je voulais juste dire à ce monsieur, s'il te plaît, arrête de nous distraire. Parce que dans ses paroles, il disait que Alassane a fait des goudrons. J'aimerais que vous arrêtiez ce langage de goudron, s'il vous plaît. On n'est plus au langage de goudron. Lorsque nous sommes nés, je suis né en 71. J'ai grandi sur des goudrons. J'ai marché sur des goudrons. Je suis allé à l'école en marchant sur des goudrons. Il y avait des lumières partout, des goudrons, des astres très grands. J'ai connu ça. Oufoué avait déjà arrangé la Côte d'Ivoire. Et Oufoué avait des projets pour les métros, pour tout ce qu'il faut, le péage, tout ce que vous voyez, c'était les rêves d'Oufoué. Bédier devrait le faire, il n'a pas eu l'occasion. Gbagbo ne l'a pas fait, il n'a pas eu l'occasion. Aujourd'hui, Draman a fait un petit peu du rêve d'Oufoué. Et Draman ne l'a pas fait avec son argent. Il l'a fait avec l'argent du peuple. Il l'a fait avec l'argent du gouvernement. C'est pas comme si Draman a vidé son compte pour faire des goudrons en Côte d'Ivoire. C'est l'argent du pays. N'importe qui est président de ce pays, normalement, doit amener ce pays à l'évolution. N'importe qui, en temps normal. Donc, si Draman l'a fait, on n'a pas besoin de lui tirer le chapeau. Il a joué un petit peu son rôle de président. On n'a pas besoin de chanter avec ça. C'est ridicule. C'est ridicule de dire qu'il a mis des goudrons. C'est ridicule de dire qu'il a mis des ponts. Ce n'est pas le seul pays au monde où il y a des ponts. Ce n'est pas le seul pays au monde où il y a des goudrons, où il y a des péages. Allez-y au Ghana, allez-y à Accra, à côté de la Côte d'Ivoire. Il y a d'autres pays qui sont développés. Et les gens ne chantent pas dans ces pays. Le président a mis goudron, le président a fait... Non, ça appartient au peuple. Ça appartient à la nation, c'est l'argent du pays. N'importe qui passe là, qui va dire qu'il est président, qui est président, c'est son rôle. C'est son rôle de s'occuper du pays. Il n'a rien fait d'extraordinaire. Hein? Rien. Et c'est pas son argent. C'est l'argent du peuple. C'est votre argent. C'est mon argent. C'est l'argent du pays. Il a pris un peu. Il s'est nourri un peu. Il a fait ce qu'il pouvait. Il a pris un peu. Il a fait quelques goudrons. Des goudrons biodégradables. Parce qu'il a payé moins cher. Il y a plusieurs qualités de goudron. Lui, il a payé moins cher. Juste pour faire style, j'ai mis des goudrons. Il a empoché le reste de l'argent du budget. Et quand il pleut, la pluie nous donne les preuves. Les goudrons disparaissent. Les lumières, il y en avait déjà des lumières. Plateau était déjà beau. Il y avait des lumières déjà en Côte d'Ivoire. Il y avait déjà des goudrons, il y avait des ponts. Les bateaux-bus existaient déjà. Tout existait déjà. Alassane n'a fait que faire une petite pincée de sel qu'il a fait. Même si toi, tu es président demain, tu as aussi à faire et tu feras peut-être plus avec l'argent du pays. Ce n'est pas ton argent. Donc, quand je vois des personnes, certains disent qu'ils sont là à l'école. Certains disent qu'ils sont instruits. Moi, je ne suis pas allé loin à l'école. Je suis analphabète. Non, je ne suis pas allé loin à l'école, mais j'essaie de réfléchir. Mais des gens qui disent qu'ils sont allés à l'école, ils ont des doctorats, ils ont des licences, ils ont tout ce qu'il faut. Ils sont tous en train de caquer sur Facebook. Ils disent qu'ils font la politique. Et quand j'entends des gens, chaque fois que certaines personnes veulent parler d'Alassane Ouattara, Alassane Ouattara est bien. Il a fait goudron, il a fait pont, il a fait goudron, il a fait pont, il a fait goudron, il a fait pont, il a fait goudron, il a fait pont. Alors,
Ce sont ses seules qualités que vous trouvez alors. Il n'y a que ça. Goudron, pont. Qui dit Alassane dit goudron, pont. Ok. On met de côté. Et le reste? Et le reste? Travail. 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 Paix. Tranquillité. Réconciliation. Un pays paisible. Alors, dans cette vidéo, ce monsieur disait, non, Alassane est bien, nous sommes avec Alassane. Alassane, il a fait des goudrons, de ceci. Je voulais vraiment, je n'ai pas trouvé la vidéo, mais je voulais répondre à ce monsieur pour lui dire, arrêtez vos balivernes. Arrêtez vos conneries. La Côte d'Ivoire n'était pas une brousse. Quand Alassane venait, il y avait des goudrons déjà. C'est d'ailleurs ce qui a fait qu'Alassane a aimé la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire était le pays le plus développé de l'Afrique de l'Ouest. Quand tu comparais la Côte d'Ivoire au Ghana, tu avais pitié du Ghana. Quand tu comparais la Côte d'Ivoire au Burkina, au Mali, à tous les autres pays autour de la Côte d'Ivoire était comme les États-Unis, au temps du fouet. Et quand Alassane est arrivé, c'est d'ailleurs ce qui l'a ébloui de voir tant de lumière, des routes, des ponts, des immeubles, de ces maisons. Alassane a été impressionné. C'est ce qui a fait qu'Alassane a tout fait pour rester là où il est aujourd'hui. La Côte d'Ivoire n'était pas une savane. C'était pas une bourse. C'était pas un dépotoir. Alassane est venu trouver un pays bien construit, parfait, propre et nickel. Vous dites que Bédier n'a rien fait. Ok. Comme vous n'êtes pas intelligent ou bien vous avez l'Alzheimer, je vais vous rappeler deux petites choses. Bédier, il n'a rien fait. D'accord. Mais Bédier a connu un coup d'État. Il fallait le laisser terminer. Et aujourd'hui, on pouvait dire si Bédier a fait quelque chose ou si Bédier n'a rien fait. Vous dites que Gbagbo n'a rien fait. Gbagbo, pendant qu'il gouvernait, il y avait des rebelles. Il y avait des attaques. Il y avait des pressions de la France. Il y avait vous. Il y avait des dozos. Il y avait les corridors. On va dire, il y avait le début de la guerre. Imaginez, réfléchissez vous-même, si Alassane était Gbagbo et qu'il y avait des mercenaires, des rebelles, des corridors, des bombardements, Alassane aurait pu faire quelque chose? Je ne crois pas. Donc Gbagbo, si on ne l'a pas laissé la liberté, la tranquillité pour travailler, on ne peut pas dire aujourd'hui, que Gbagbo n'a rien fait, puisqu'on ne l'a pas laissé travailler. Bédier, on l'a dégagé par un coup d'État. Gbagbo, on l'a dégagé par la guerre. Et il y avait des rebelles, des corridors. Il était dans une pression pas possible. Quel temps voulez-vous qu'il ait pour aller faire des goudrons, des ponts ou des péages? Il y avait même des corridors. Les gens avaient du mal à se déplacer. Mais la différence avec M. Dramane, c'est qu'il a eu 10 ans de tranquillité. Il n'y avait pas de rebelles. Il n'y avait pas de corridors. Il n'y avait pas des gens qui l'attaquaient. La France ne lui mettait pas la pression. Les Ivoiriens ne lui mettaient pas la pression. Il était tranquille et paisible pendant 10 ans. Et pendant ces 10 ans, il nous a fait quoi?
pendant ces 10 ans. Il nous a fait quoi? Qu'est-ce qu'il nous a fait? Excusez-moi, je vais... On dirait qu'il y a un marabout ici, je vais l'enlever. Qu'est-ce qu'il nous a fait pendant ces 10 ans? Vous croyez que les Ivoiriens aujourd'hui vont accepter encore une personne qui est venue, en venant, leurs parents sont morts, il y a eu la guerre, il a fait des promesses qu'il n'a jamais respectées? Ouais, allô? Tu peux me renvoyer la vidéo que tu m'avais partagée, s'il te plaît, sur le gros Louba qui disait qu'on dit l'autre était dans la poubelle, l'autre dit que c'est pas lui. Envoie ça sur mon WhatsApp de ce téléphone, s'il te plaît. Mon WhatsApp personnel. Parce que je suis en direct là, j'ai besoin de ça. Merci. Donc voilà le problème. Et mettons Ouattara, voilà Alassane Ouattara. Je le pose là. Alassane Ouattara, tu as fait un peu de goudron. Ok, je pose. Alassane Ouattara, tu as fait des ponts à péage. Des barrages péage, je pose. Après, je cherche, je ne trouve pas. Je ne trouve pas le reste. J'enlève tout ça. Tu as mis beaucoup d'Ivoiriens en prison. Il y a des Ivoiriens qui sont en exil, qui souffrent. Il y a des Ivoiriens qui ne peuvent pas travailler parce qu'ils ne sont pas du RHDP. Il y a des gens qui ont tout perdu, on les a oubliés. Il y a des gens, on a cassé leur maison, ils ont dormi dans le cimetière. Qu'est-ce que je peux mettre encore? Personne ne peut parler au pays. Des imams en prison. Des pasteurs en prison. Bon, ça commence à être trop là, je vais te déborder. Je vais te déborder si je veux. C'est beaucoup. C'est trop. C'est trop. Lequel d'entre vous a déjà découpé un morceau de goudron pour mettre dans une sauce pour manger avec du riz? Lequel d'entre vous a découpé un morceau de péage pour manger? Ça ne se mange pas. C'est pas ça qui remplace le salaire de certaines personnes. C'est pas ça qui remplace le travail que des gens ont perdu. C'est pas ça qui remplace la paix et la joie de ceux qui sont en prison ou de leurs parents, de ceux qui sont en exil ou de leurs parents. La Bible dit mieux vaut un morceau de pain sec avec la joie qu'une maison remplie de viande avec des querelles. Daman doit dégager. Les Ivoiriens ne peuvent plus accepter Daman. Donnez-lui ce message. Il est vomi. Quand on t'a vomi, quand des gens t'ont aimé, une femme t'a aimé, quelqu'un t'a aimé, t'a apprécié, il t'a donné sa confiance, il t'a donné son cœur, il te croyait. Tout ce que tu dis, la personne croit. Et puis un jour, la femme se rend compte que tu la trahissais, tu la trompais. Tout le temps là, tu étais en train de la mentir. Ou ton ami qui t'a pris comme meilleur ami se rend compte que depuis le temps qu'il t'a fait confiance, tu le trompais, tu le mentais. Pourtant, lui t'a donné son cœur. C'est ce que nous vivons aujourd'hui avec Alassane. Il nous a trahis. Il nous a menti. Il nous a fait du mal. Il nous a blessés. Il a tué nos parents. Il a mis nos frères en prison.
Il a été très mauvais avec nous. Nous ne voulons plus de lui. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Nous ne voulons plus d'Alassane. Notre cœur l'a rejeté. Nos pensées ne le veulent plus. Il ne peut plus gouverner notre pays. Ce n'est pas possible. Que la France veuille, l'Union européenne, qui que ce soit, les Ivoiriens sont décidés. Dramane ne peut plus être notre président. C'est fini. Ce n'est pas parce qu'il s'appelle Dramane. Non. Quelqu'un d'autre du RHDP un jour devient président. Gloire à Dieu. Quelqu'un du PDC, du FPI, de n'importe qui. Gloire à Dieu. Quelqu'un du Nord, quelqu'un du Sud, quelqu'un de l'Est, quelqu'un de n'importe où, ivoirien, est devenu président. Gloire à Dieu. Mais Alassane, Dramane, Ouattara, lui seulement, c'est bon pour lui. On ne veut plus. On ne veut plus. On lui a assez donné. On lui a assez donné. 10 ans. On lui a assez donné. On a vu. On a vu. Alors, vous pouvez être de gros bras. Vous masturber sur Facebook avec vos commentaires. Des microbes. Être convoyé, aller attaquer les gens. Des mercenaires. Tuer les gens, faire tout. Pharaon avait la plus grande armée. Pharaon n'a jamais cru qu'Israël serait délivré. Pharaon comptait sur son or, son argent, son autorité, sa puissance, son armée. Mais lorsque le temps de Dieu est arrivé, Pharaon a été dans la confusion. Il a tout perdu. Pharaon. Ouais, le peuple d'Israël a été délivré. Nous croyons fermement que la Côte d'Ivoire aura sa liberté. Oui. Nous croyons fermement qu'un dictateur ne pourra plus jamais nous diriger. Nous croyons fermement que les Ivoiriens seront dans la paix, dans l'union. Nous croyons fermement que tout ce qui se passe sera bientôt du passé. Nous en parlerons. Ça sera du passé et nous allons avancer vers le futur pour l'avancement de notre pays. La main dans la main, unis, tous les partis, unis dans la paix, la tranquillité, la vraie démocratie, l'amour de l'un et de l'autre, le respect de l'un et de l'autre. Chacun sa religion, mais on se respecte. Chacun sa région, mais on se respecte. On est ivoirien, comme Oufoué nous l'avait appris, avant que Alassane n'arrive. Nous allons retourner à notre premier amour, à notre premier bonheur. Et ça, Dieu est avec nous. Donc ne venez pas nous parler de goudron. Ne nous parlez plus de goudron. En général, ceux qui parlent de goudron, ce ne sont pas des Ivoiriens. Ce sont des gens qui viennent des pays très pauvres, misérables, où il n'y a pas de goudron. Où il n'y a pas de lumière, où il n'y a rien. Et quand ces personnes viennent à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et qu'ils voient les goudrons, les choses qui sont là, ils se disent « Waouh, le monsieur a travaillé ». Mais nous, les vrais Ivoiriens, nous ne sommes pas impressionnés. Nous sommes nés avec les goudrons, nous sommes nés avec les ponts, nous sommes nés avec les lumières, nous avons connu le luxe, nous avons connu déjà toutes ces grâces. Ce n'est pas nouveau pour nous. Mais vous, les étrangers qui venez des pays où il n'y a rien, vous croyez que c'est extraordinaire. Mais nous, ce n'est pas ça qui est extraordinaire. Ce qui est extraordinaire, c'est notre paix. Et Oufoué nous a laissé un héritage. Il nous a dit, la paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. On ne dit pas paix dans sa bouche. On vit la paix. Et ceux qui sont autour de toi, se rend compte que tu vis la paix. Ils en profitent. Nous voulons la paix. Nous voulons l'amour. Plus de réfugiés. Plus de prisonniers politiques. Plus de dictatures.
tous les partis sont libres et égaux. Tous les Ivoiriens du nord, du sud, de l'est et de l'ouest sont égaux. Tous les Ivoiriens, dans l'amour, c'est ce que nous voulons. Donc quand un gros bras, on a mis ta photo à côté de poubelle, alors qu'il y a un gros éléphant dans la poubelle. Et puis tu viens nous dire que vous, vous êtes là, vous souhaitez la paix, vous voulez la paix, vous êtes là pour Draman, Draman a fait Goudron, Draman a fait cela. Franchement, on s'en tape de ce que Draman a fait. Nous, c'est ce qu'il n'a pas fait qui nous intéresse. Ce que Draman a fait, on s'en moque. Parce qu'il y en a qui ont fait pire avant lui. On s'en fout de ce qu'il a fait. C'est ce qu'il n'a pas fait. Et ce qu'il a fait, qu'il ne devrait pas faire. C'est ça qui nous intéresse. Que Dieu bénisse les Ivoiriens. Je vais vous laisser avec une bonne humeur. Avec ma petite vidéo là. La vidéo qui me met en joie. Voilà. Draman va partir. Vous voulez ou pas, c'est fini. Il ne peut plus. Ne vous fatiguez pas, parce que ça là, ça va vous arriver. D'autres vont être dans brouette, on vous soulève un à un, puis d'autres vont. Lui, il va se confesser. Confession intime. Attends. Confession intime. Voilà. Ok. Il s'en va comment? Coca, il est où? C'est mère. Oui. Voilà, c'est le mot qui est utilisé. J'étais assis même. Puis ils m'ont dit, on doit aller au campus. D'accord. On va aller au campus. Oui. Moi, si c'est les trucs politiques, tout ça là, moi, je ne fais pas la politique. Voilà, c'est ce qu'ils prêchent sur mon Facebook. Comme la politique. Et non, c'est pareil, ils remettent les ordinateurs aux étudiants. Bon. Continuez à aller remettre des ordinateurs aux étudiants et aux gens. Allez-y les remettre les ordinateurs. Ils vont vous chicoter, frapper. Mes frères ivoiriens, je vous laisse haut. Tous les jeunes frères, les étudiants, en tout cas, bravo. Vous avez notre journée là, c'était une journée de soleil aujourd'hui. Et ce que vous avez commencé là, continuez. Suivez mes conseils, formez vos petites guérillas dans vos quartiers, dans vos endroits. Préparez-vous. On te dit, quelqu'un dit, il te cherche, il veut te tuer. Tu te prépares pas. Préparez-vous. Soyez prêts. Celui qui rentre dans votre périmètre, il n'a qu'à être gros, il n'a qu'à être mince, il n'a qu'à être quoi. Vous lui montrez que c'est vous qui êtes là, dans vos villages, dans vos quartiers, tout. Commencez à m'éliminer tous ces microbes-là, parce que les policiers ne peuvent rien faire. Donc, ne vous laissez plus faire. C'est vous ou c'est eux. Est-ce qu'ils vous demandent la permission pour aller vous tuer? Ils vous demandent la permission pour aller vous agresser? Est-ce qu'ils vous demandent la permission pour rentrer dans vos quartiers? Donc, vous allez attendre permission de quelqu'un pour vous défendre. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Et ce que vous avez commencé, continuez. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom. À bientôt.